إخوانا وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وتقي الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تفسير إمام حسن العسكري عليه السلام، 9e partie. On en est toujours et d'ailleurs d'après ce que je vois dans la traduction qu'on a, on va voir juste le commentaire de Sourate al-Fatiha. Et là, nous sommes à Al-Rahim, donc dans le verset A'udhu billahi samia al-alim min ash-shaytan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Ar-Rahman ar-Rahim, donc dans le Bismillah. Donc, l'imam Hassan Askari a dit, et les mots d'Allah, Rahim, le commandant des croyants, a dit, il est miséricordieux pour ses serviteurs croyants et de centaines de miséricordes. Il a alloué une de ses parts à la création tout entière et de cette part, les gens sont miséricordieux entre eux. Et les mères sont miséricordieuses à leurs enfants. Et les mères des animaux sont miséricordieuses à leurs plus jeunes. Et quand vient le jour du jugement, il inclura cette miséricorde aux autres 99 parts et accordera la totalité de celle-ci sur les partisans de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et acceptera leur intercession pour ceux qui aiment intercéder, jusqu'à ce qu'un croyant vienne voir un autre pour l'intercession et sera questionné. Quel droit avez-vous sur moi? Il répondra, j'ai étanché votre soif avec de l'eau. Il se souviendra de cela et intercédera pour lui. Un autre viendra et demandera son intercession et sera interrogé. Quel est ton droit sur moi? Il dira, tu t'es reposé pendant un moment sous l'ombre de mon mur pendant la canicule. Il intercédera pour lui, pour cette personne aussi. Cette intercession ne sera pas diminuée jusqu'à ce qu'elle couvre ses voisins et les personnes familières. L'honneur d'un croyant devant Allah Azzawajal est plus élevé que vous ne pouvez imaginer. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit Maliki Yawmiddin. Donc là on est, donc on a dit Alhamdulillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah il-Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'était Ar-Rahman ar-Rahim, je me suis trompé tout à l'heure. Donc le troisième verset, et là on est dans Malik Yawm al-Din. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit, maître du jour du jugement, Allah est assez puissant pour établir ce jour, et c'est le jour des comptes, et peut l'amener vers l'avant ou le reculer de son temps prédéterminé. Et il est le maître de ce jour et l'établira avec vérité. Il n'y aura aucune autorité en ce jour pour ceux qui sont habitués à être injustes et oppresseurs dans le monde parmi les dirigeants. L'imam Ali Salam a dit, le commandant des croyants Ali Salam a dit, jour du jugement, c'est le jour des comptes. Et j'ai entendu, et dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit. Donc ça c'est l'imam Ali Salam qui dit ça. Dois-je vous informer quant à savoir quel est le plus intelligent de tous et le plus stupide de tous? Un compagnon a dit, oui au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus intelligent est celui qui tient compte de lui-même et effectue des actions qui l'aideront après sa mort. Et le plus stupide de tous, c'est celui qui suit ses désirs et s'attend à des récompenses d'Allah. Un homme a dit, comment un homme tient compte de lui-même? L'imam, alayhi salam, a dit, chaque jour dans la soirée, il doit questionner son âme. Ô âme, cette journée maintenant passée ne reviendra jamais. Peu importe les actions effectuées, elles seront questionnées par Allah. Quelle action avez-vous faite aujourd'hui? Vous êtes-vous souvenu d'Allah et l'avez-vous loué? Avez-vous rempli les besoins d'un croyant? Avez-vous supprimé ses difficultés? Avez-vous protégé sa famille et enfants en son absence? Étiez-vous bon avec eux après sa mort? Leur avez-vous donné quelque chose après sa mort? Avez-vous aidé un musulman?
Qu'avez-vous fait de cela? C'est comme cela qu'il devrait se souvenir de ses actions. Et quand il se souvient de ses actions de cette façon, alors il devrait louer Allah Azzawajal pour lui fournir la guidance. Et s'il se souvient de ses péchés ou ses lacunes, il devrait se repentir et demander pardon à Allah Azzawajal et dire qu'il ne refera plus cela. Il devra ensuite envoyer ses salutations et félicitations sur Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et sa bonne progéniture, alayhi salam, et renouveler son allégeance au commandant des croyants, alayhi salam, et l'accepter avec humilité. Et envoyer ses malédictions sur ses ennemis, la'natullah alayhim, et ceux qui ont usurpé ses droits. S'il faisait cela, alors Allah azawajal dit, je ne vous demanderai rien à propos de vos péchés, car vous êtes l'ami de mes amis et un ennemi de mes ennemis. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans la phrase du verset Ya kana'budu wa ya kana'sta'in. Nous vous adorons et c'est de vous que nous cherchons de l'aide. Wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atratiyu ta'irin. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.